Conseil de Sécurité des Nations Unies a été réuni jeudi 8 décembre sous conflit israélo-palestinien pour répondre à une demande que le secrétaire général de l'ONU a fait pour accompagner Goumer et retourner joindre une autre accord pour cesser le feu permanent pour éviter plus de dégâts humanitaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé pendant la réunion du Conseil de Sécurité à sous question et a été invoqué à titre 99 Charte Nations Unies pour aborder la crise humanitaire dans le un conflit entre peuple israélien et le groupe islamiste palestinien Amasio. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans l'intervention LIT, a déclaré violence à masse ferme, pas qu'à justifier d'aucune façon, punition collective palestinienne. J'ai écrit au Conseil de sécurité en invoquant l'article 99 parce que nous sommes à un point de rupture. Le risque d'effondrement complet du système de soutien humanitaire à Gaza est élevé et cela aurait des conséquences catastrophiques. Je me dois d'insister sur le fait que les Nations Unies s'engagent entièrement à rester et à venir en aide au peuple de Gaza. Je rends hommage aux travailleurs humanitaires héroïques qui s'engagent entièrement à s'acquitter de leur travail en dépit des dangers considérables que cela constitue pour leur santé et leur vie. Or, la situation est tout simplement devenue intenable. J'exhorte le coup, Conseil à redoubler d'efforts pour demander un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour que les civils soient protégés et pour que l'aide permettant de sauver des vies soit acheminée de toute urgence. Les yeux du monde entier et les yeux de l'histoire sont grands ouverts. Le temps est venu d'agir. Je vous remercie. Riyad Mounsour, observateur permanent Palestine dans les Nations Unies, parlait pendant la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous article 99 de la Constitution des Nations Unies pour adresser crise humanitaire dans les temps conflit. Vous devez être en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Lorsque vous refusez de faire appel à un cessez-le-feu, vous refusez l'appel à la seule chose qui permettrait de mettre un terme aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et aux génocides. C'est ainsi qu'Israël mène la guerre en ayant recours à des atrocités. L'objectif d'Israël est clair. L'objectif est d'expulser les personnes. Et même si certains disent que cela ne se produira pas, tout ce que nous voyons confirme que nous avions raison depuis le premier jour. Nous vous avons dit qu'il ferait en sorte que Gaza ne soit plus vivable, que les personnes soient forcées de se déplacer, que les personnes étaient forcées à se rendre vers le sud, et en fin de compte, une attaque à part entière serait lancée. Contre le Sud pour expulser la population. Nous n'avons plus de temps. Il faut agir et agir maintenant. Merci, Monsieur le Président. Bon côté l'ambassadeur israélien des Nations Unies, Gilad Erdan, pendant une Conseil Sécurité à Le 7 octobre, le Hamas a violé ce cessez-le-feu en lançant une invasion non provoquée. Des milliers de nazis du Hamas ont ainsi envahi Israël. Ces terroristes du Hamas ont mené un massacre sans précédent depuis l'Holocauste. Ils ont violé des femmes et des jeunes filles, décapité des bébés, brûlé des familles vives et pris. 250 personnes otages, qu'il s'agisse de bébés ou de seniors. Après les atrocités du 7 octobre, Israël s'est engagé à éliminer les capacités du Hamas. Et ce, afin de veiller exclusivement à ce que de telles horreurs ne se reproduisent. Et si le Hamas n'est pas détruit, de telles horreurs vont se reproduire. Sous pression, Secrétaire Général, la Conseil Sécurité des Nations Unies a décidé jeudi à même sous un appel pour cesser le feu humanitaire immédiat dans Gaza. 15 membres du Conseil de sécurité ont été supposés voter jeudi dans un contexte diplomatique qui chargeait attention. Finalement, après un pile échange et débats, vote la pâte arrivé faite et La session est levée. L'État juif a promet pour détruire Hamas après attaque groupe islamique palestinien qui a été fait dans le site Israël là, dans la date 7 octobre, qui a été fait 1200 mourir. Et sous-bois palestinien, d'après le dernier rapport du ministère de santé Hamas là, 17 487 été mourir depuis le commencement en de réponse à attaque l'attaque israélienne. Pour Véo Acréole, Valérie Saint-Louis depuis New York.